Bienvenue à Baden, théâtre de la première manche de l'EKZ Cross Tour 2015-2016 à l'occasion d'un cinquième Supercross qui ouvre la saison européenne en Suisse. Un cyclocross doté cette année d'une liste de départ assez exceptionnelle, puisque 8 coureurs membres du top 20 sont présents, dont Lorenz Feck, Philippe Valsleben, Francis Mouret ou encore David Van Der Poel. Ce sont d'ailleurs ces coureurs qui proposent un début de course extrêmement rapide sur un circuit sec et sous des températures estivales supérieures cette année encore à 25 degrés. Le Belge Lorenz Feck a alors imprimé un rythme soutenu dès les premiers passages techniques, suivi ici par Francis Mouret et Philippe Valsleben. C'est toujours le Belge, membre de l'équipe Eramur Protec, qui insiste en fin de premier tour sur cette portion goudronnée, sans toutefois créer de véritables écarts en menant dans son sillage un véritable peloton. Mais quelques virages plus loin, c'est son coéquipier, le Suisse Julien Taramarca, qui accélère et qui provoque une cassure. Le champion de Suisse est suivi ici de Lorenz Feck, Francis Mouret, Philippe Valsleben, Dieter Feck, Marcel Wildhaber, Florian Vogel, David Van Der Poel, Dieter Van Turnhout et Simon Zanner. Le vainqueur du Supercross 2012 et 2014, Francis Mouret, se détache au troisième passage sur la ligne, mais est rapidement rejoint par Lorenz Feck après une chute et un saut de chaîne. Derrière, la poursuite est menée par l'Allemand Philippe Valsleben, lui aussi ancien vainqueur du Supercross, un groupe où sont rentrés Clément Venturini et Yuri Adams. Mais un regroupement inévitable est intervenu quelques virages plus loin, avant une sélection enfin définitive à la mi-course, 5 coureurs en tête, Clément Venturini, Lorenz Feck, Philippe Valsleben, Francis Mouret, Dieter Van Turnhout. Mais une chute ici visible en arrière-plan a remis les pendules à l'heure. Lorenz Feck et Clément Venturini perdaient alors le contact derrière ce trio Mouret, Valsleben, Van Turnhout. Derrière, on se joue déjà les places d'honneur avec ici Yuri Adams, Florian Vogel et Dieter Feck. Devant Valsleben et Mouret relance rapidement l'allure, mais déjà Lorenz Feck est de retour après sa chute et se rapproche dangereusement du premier duo, tandis que derrière le coureur de Cofidis Clément Venturini est lui condamné à la cinquième place. Feck rentre alors à l'avant un tour plus tard, ramène aussi le coureur de la formation Sunweb Napoleon Games à 2 tours de l'arrivée. Une avant-dernière boucle marquée par l'offensive de Philippe Valsleben, alors seul en tête à la cloche, avec 5 secondes d'avance sur un premier duo, Francis Mouret et Lorenz Feck à 5 secondes, mais un écart finalement insuffisant puisque Lorenz Feck rejoint l'Allemand à quelques virages de l'arrivée seulement et s'impose au terme d'un incroyable sprint. Lorenz Feck remporte le Supercross 2015, vainqueur de son premier cyclocross en tant qu'élite homme à 22 ans seulement. Comme en 2014, Philippe Valsleben termine deuxième, vainqueur ici à Baden en 2013. Toujours présent sur le podium, vainqueur en 2012 et 2014, deuxième en 2011 et 2013, l'ancien champion de France Francis Mouret termine troisième. Derrière, le coureur belge, membre de la formation Sunweb Napoleon Games, Dieter Van Turnhout, termine quatrième. Il marque ici de précieux points UCI en vue d'une remontée éventuelle au classement mondial. Tandis que le top 5 est complété par le français Clément Venturini, le coureur de la Cofidis, malchanceux aujourd'hui, victime de 2 chutes et d'un bris de derrière. Le top 10 derrière est complété au sprint par David Van Der Poel devant Marcel Wildhaber, Florian Vogel, Yuri Adams et Julien Taramarca. Lorenz Feck est donc le premier leader de l'EKZ Cross Tour. La seconde manche se déroulera à Dilsdorf le 4 octobre.